Salut la team YesWeTrade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai pris EURNZT. Donc, on va voir tout ça sur les graphiques, sachant qu'on a eu un live trading ce matin où j'ai donné cette position. Je disais, il faut prendre EURNZT parce qu'il y a une probabilité qui est plus performante et à avoir plus de profit à ce niveau-là. Donc, on va voir ça dans les graphiques. Surtout, ne quittez pas. Alors, nous voici à présent sur les graphiques. Alors, tout simplement, ce matin, comme on a vu, plus précisément, on a vu qu'on a eu cette montée, redescente. Et là, en fait, ce matin, sur une time frame d'une heure, on a vu cette bougie plus cette bougie. Donc, cette bougie clôturée au-dessus de la rouge. Et on a pris position. Et donc, on est presque au TP que j'avais donné. Le stop, il était là. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer ceci. Alors, c'était pas compliqué. Hein, on a pris cette position. Donc là, maintenant, on va tout simplement observer le marché, voir ce qu'il donne. Donc pour nous, il y a soit ça remonte ici, ça peut redescendre à ce niveau-là, ou tout simplement casser. Et là, si on casse, eh ben on montera chercher à peu près, on va dire 100 micropips. Hein. 100 pips, pas 100 micropips. Donc là, on a un bon potentiel. Pour maintenant, je pourrais pas, je vais vous dire à combien on est atteint de pips, mais quoi qu'il en soit, alors, on n'est pas beaucoup, on est à 40 pips là actuellement, c'est déjà pas mal, hein, on est à 40 pips de bénéfices, donc c'est vraiment déjà pas mal. Je pense qu'on peut aller chercher plus haut, ben voilà, les 600, à voir, hein, donc on va laisser tourner. En tout cas, voilà, c'était la vidéo concernant l'analyse technique. J'espère que l'analyse vous a plu. Je vous invite à faire un petit like en dessous de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Smaïn de YesWeTrade.